Nous sommes pays que les États-Unis. Hein? Sincèrement, si nous ne pas porter pour lui, nous avons traîné quand bien même. Nous sommes sûrs et certaines. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Eric Stromayer. Eric Stromayer, mesdames et messieurs, qui s'est chargé d'affaires pays États-Unis en Haïti, mais qui a participé dans l'émission Le Point ensemble avec Wendell Théodore. Nous avons une place, pas vrai? Mais la situation est vraiment compliquée. Eric Stromayer a expliqué à quel point les États-Unis paraient pour être capables d'aider pays d'Haïti. Dans ça qui gagne à ouais ensemble avec insécurité. Nous prenons tant de déclarations sous aide Kenya proposé pour capable bail pays d'Haïti. Et puis devant Eric Stromayer, un bien mette fin ensemble avec rumeur qui t'a fait quoi que ambassade américaine a recevoir rendez-vous jusqu'en 2025. Nous prenons tant de qui ça Eric lui-même lui dit sous dossier si là. Wasmi la petit frère. Nan moment, nan tout sa pa bon. Pye madame nan pran, nan on se gren soulier. Nan moment nan parle yon la, Wasmila petit frère, selon information ta semblé déserté pays d'Haïti. Alors que, li gen rendez-vous ensemble avec juge Jean-William Morin, sou sa ki gen awe, ensemble avec dossier Edwin Tonton. Corruption dans la caisse assistance sociale. Mais qui sa information yé exactement? Rete là, nous prenons tout détail. Pays Bahamas paraît pour li capable de voyer 150 soldats pour accompagner 1000 soldats kenyans qui pral débarquer en Haïti dans un titre qui pas trop long puisque les États-Unis à travers ambassadeur li voyer une résolution by l'ONU pour capable accepter force là et commencer mettre moyen de yor pour gérer situation. Puis devant mesdames et messieurs, gon rumeur qui a couru sous la mort, journaliste et militante Liliane Pierre-Paul. Selon sa cousine Wilson Pierre-Paul, t'a arrivé déclaré devant la presse, c'est Stéphanie Pierre-Paul, madame petite garçon Liliane, qui t'a arrivé empoisonnée. Eh bien, rumeur si la yo a grossi de jour en jour, alors que gen l'autre cousin Liliane qui commençait à parler quelques paroles. Nous avons entendu des déclarations, t'as l'air comme ça. Yon informateur commissaire Jean-Ernest Muscadet arrivé a subi gros pression nan men bandi alors que ta geta perdi madame li en bas men même bandi sa yo puisque c'est lui même qui t'a informé commissaire Muscadet sous sa ki gen awe ensemble avec Géraldine Michel jeune garçon sa que commissaire Muscadet t'a metté dans menangel nan jou qui saute passé là nous pral ton de déclaration informateur si la cap explique nous qui Jean Bagala li même lié. La police nationale d'Haïti présente un reportage sous Mackenzie Innocent, présumé chef gang Bizoto. 55 ans, qui sa Mackenzie gen pour le dire? Nous prajouen tout détail. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la plateforme Parola. Non pas, c'est Fabula Jean-Charles, c'est un plaisir pour nous capables rentrer la caille à rubrique information ça. Mais avant nous aller plus loin, nous prenons temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité. Yon moun qui dans entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là, puis capable toujours être connecté à bon information. Jodi ya, c'est jeudi 3 d'août 2023. Situation actuelle pays d'Haïti, c'est une situation qui est plus compliquée que pays a lui-même la confronté depuis assassinat président Jovenel Moïse. Selon gouverneur canadien Justin Trudeau, autorité haïtienne n'a vraiment pas pris conscience de ce qui a passé actuellement dans le pays et n'a pas comparé pour être capable de gérer la crise. Mais Eric Stromayer, qui s'est chargé d'affaires États-Unis en Haïti, parlait sous aide Kenya préparé pour le bail haïtien, côté le pral accompagné la police nationale d'Haïti ensemble avec 1000 soldats qui ont sorti la Cali pour capable de couper le groupe bandit qui va suspendre si la terre à la troublée dans le pays ensemble. En tant que déclaration, Eric Stromayer. Faire un commentaire sur les commentaires canadiens parce que je n'ai pas encore vu. Mais je peux vous dire que pour nous, le fait que nos amis kenyans
ont décidé de faire de bonne volonté l'annonce qu'ils sont en train de considérer de pouvoir prendre le leadership d'une telle force multinationale. C'est une très bonne nouvelle. Nous soutenons nos amis kenyans dans cet effort. Nous serons, en tant que le grand partenaire d'Haïti, un des plus grands, si pas le plus grand, je crois qu'on est le plus grand, mais ce n'est pas un débat, nous serons là à faire le partenariat avec tous les amis d'Haïti pour pouvoir avancer cette initiative. On est très content de l'initiative kenyane. On est en train de travailler à essayer de faire notre cotisation avec tous les autres partenaires à pouvoir assister à ce qu'il y ait un déploiement multinational à pouvoir avancer la sécurité qui nous touche tous qui sont ici en Haïti pour assurer la sécurité, pour qu'il y ait une continuation des initiatives prises par le gouvernement de transition pour avoir faire des progrès envers un système démocratique et élu. Et évidemment, la sécurité est une partie clé de cela. Et on est très content que les Kenyans ont pris l'initiative qu'ils ont prise et on va faire le plus que nous puissions faire pour le soutenir. En quoi consisterait le soutien ou le support des États-Unis? Il faut comprendre que ça, c'est un processus assez complexe. En première place, il y a une question, si vous avez bien constaté la déclaration faite par les Kenyans, il doit en avoir une déclaration faite par les Nations Unies à soutenir une force multinationale. Ça va indiquer les détails d'exactement ce que c'est prévu par la communauté internationale à travers les Nations Unies. Dès que ça s'est établi, que nous allons travailler avec nos amis à pouvoir faire une telle résolution, il y aura une déclaration, une constatation qui est en cours par les Kenyans comme leader et avec les autres partenaires d'exactement ce que c'est prévu. Et il y aura un appel pour trois différentes sortes de soutien à travers la communauté internationale. Il y aura un appel pour des soutiens en ce qui concerne des autres forces. Ce n'est pas simplement les Kenyans qui devraient venir, c'est multinational. Il y aura un appel pour des soutiens fiscaux et aussi bien un appel pour des soutiens multiformes, d'assistance logistique peut-être ou d'autres cotisations qui pourraient être faites en équipement ou de formation qui pourraient assister le déploiement d'une telle force. Alors, les États-Unis vont être impliqués, j'en suis certain, dans tous ces trois domaines. Exactement comment? Ça dépend de comment ça a évolué. C'est trop tôt pour dire exactement comment, mais je suis sûr et certain que la rôle américaine sera très, très grande. Mesdames et messieurs, nous sommes en déclaration Eric Stromayer sur ça qui est à ouais. Ensemble avec qui ça? États-Unis, lui-même paré pour le capable faire. Dans ça qui gen awe ak aide que Kenya paré pour bay pays d'Haïti. Puis devant Eric Stromayer mette fin ensemble avec toute rumeur qui t'a fait quoi c'est en 2025 que prochain rendez-vous ensemble avec ambassade américaine pour visa a capable fixer ensemble en temps de déclaration Eric Stromayer. Et comme on dit créole parler créole comprend. L'ambassade n'est pas fermée, elle est ouverte. Ambassade hein? Les parallèles continuent à travailler ça. Par contre, section visa, malheureusement, l'y fait un petit campé, une pause. Nous parallèles comment nous pas faire, ça c'est temporaire. Nous parallèles quand ça peut changer. En même temps, nous pas assurer continuer les services pour citoyens américains, ça y est. Nous pas parallèles décamper là où nous sommes. Nous parallèles rester là où nous sommes. Nous sommes ouverts. Et c'est une parole avec vous, Jodia, pour réaffirmer cela. Maintenant, qui sont capables de préciser ça pour nous? Service consulaire là, ensemble avec l'ambassade là, tous deux dans le même bâtiment, tous deux dans le même caille. Ou là, vous comprenez? Oui. Tous deux dans le même caille, une a continué à fonctionner et l'autre là a fermé. Est-ce que même dispositif de sécurité, est-ce qu'il n'est pas valable pour tous les deux? En effet, situation ça a été changée un peu, si vous permettez. Je vais continuer en français. Malheureusement, je ne pourrai pas continuer fluidement en créole. C'est comme vous voulez. OK. Yeah. En effet, la situation que tout le monde a vue dans ces derniers temps, malheureusement, dans la zone dans laquelle nous sommes, aussi bien que plusieurs autres quartiers de la ville, ont été touchés par ces activités des gangs. Et alors, dans cette circonstance, nous avons pris la décision de diminuer notre effectif américain pour une période temporaire à ce que nous puissions rassurer
assurer la sécurité de tout le reste du monde qui reste à travailler. Et dans cette situation, on a décidé, il y a d'autres sections qui sont impliquées aussi, mais rien n'empêche que notre engagement avec le peuple haïtien et Haïti va continuer à travers les différents services que nous portons par rapport à nos assistances d'aide humanitaire, nos assistances sur la santé, le développement et bien sûr nos assistances à continuer à renforcer la capacité de la PNH. C'est pour ça qu'aussi nous allons faire le plus que nous puissions faire pour soutenir la déclaration récente de Kenya, que nos amis kenyans ont dit qu'ils vont considérer à pouvoir prendre le leadership d'une éventuelle force multinationale. Mmh. Et alors dans ce contexte, nous continuons notre travail à l'ambassade, mais on a été obligé de faire une réduction dans le personnel, vu la circonstance, et ça a fait que pour l'instant, on suspend ces services des visas, mm-hmm. mais il y aura des contacts à ceux qui ont des rendez-vous déjà à expliquer quelle est la situation, et j'espère bien que ça pourrait se reprendre dans une plus ou moins proche avenir. Mm-hmm. Néanmoins que nous continuons nos services pour les citoyens américains, qui sont toujours appeler à contacter l'ambassade s'ils ont la moindre inquiétude ou les choses qu'ils veulent faire à travers les services qui restent. Mm-hmm. Oh, OK, en ce qui concerne le Kenya que vous avez évoqué, on va revenir là-dessus un peu plus tard pendant cette interview. Mais monsieur le chargé d'affaires, pour les gens qui ont déjà des rendez-vous, nous avons appris que ces gens-là pourront se présenter au consulat jusqu'à qu'en 2025. Est-ce que cette information est fondée? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la première fois que j'entends dire ça. Non, ça, c'est pas fondé. Nous voulons reprendre les travaux que nous faisions sur les visas le plus vite que possible. À l'instant, c'est une suspension temporaire et jusqu'à ce qu'on puisse rassurer que la situation est telle que nous pouvons ramener les officiers concernés à pouvoir faire ce travail. C'est une suspension temporaire. C'est pas quelque chose qui est rapporté à la date que vous avez prévue, ça, c'est pas le cas du tout. C'est temporaire, la décision, et j'espère bien que nous pourrons assurer ce service le plus vite possible. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui vous a porté, monsieur le responsable, à prendre cette disposition? Est-ce que c'est à cause de l'insécurité, ou bien est-ce que vous n'avez pas suffisamment de consuls pour recevoir les demandeurs? Qu'est-ce qui est à la base de cette décision? À la base de cette décision, c'est la situation que sans doute vous et aussi beaucoup des autres citoyens de Port-au-Prince ont constaté par rapport à la situation sécuritaire qui s'est présentée dans la zone de Tabar il y a à peine une semaine, lorsque les personnes dans les quartiers ont été chassées par les gangs qui ont attaqué à ces personnes, qui ont tué des personnes, qui ont violé des personnes et les ont chassées de chez eux. Et cette réalité, à côté de là où nous sommes, c'est quelque chose de nouveau qui a changé la situation. Et dans cette circonstance, nous avons pris la décision qu'on a prise pour diminuer l'effectif américain pour assurer la sécurité de ce qui reste pour continuer le travail essentiel que nous faisons avec Haïti. Quand un chef de gang, quand des groupes armés décident d'inquiéter en quelque sorte des responsables d'une ambassade américaine. Comment vous interprétez, comment vous comprenez cela? Je ne sais pas les motifs des personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait. Rien n'empêche que nous, on prend acte. Partout au monde, on fait la suivi de très proche de la sécurité de nos personnels, aussi bien locaux qu'américains dans nos ambassades. Et dans ce contexte, on a pris la décision qu'on a prise. J'espère bien, et ça c'est une décision, je souligne, temporaire, ce n'est pas permanente. Et nous espérons pouvoir faire retourner nos effectifs qu'on a renvoyés aux États-Unis le plus tôt possible. Et en même temps, nous continuons le travail avec notre pleine équipe haïtienne et aussi américaine qui est sur place, dont je suis très, très fier de tous ceux qui sont ici toujours, aussi bien que les Américains qui ont dû quitter. Mmh. Au lendemain de ce qui s'était passé la semaine dernière en face de l'ambassade, où des gens qui cherchaient refuge avaient élu domicile en quelque sorte en face de l'ambassade et la police était venue pour chasser ces gens. Vous avez sorti une note pour exprimer votre tristesse par rapport à ce qu'ont subi ces familles. Et pourquoi c'est seulement de la tristesse que vous avez tenue
à exprimer. Dès que ces personnes sont présentées en face de nous, chassées par les gangs de là où ils habitaient, nous avons engagé directement avec le maire de Dabar, aussi bien que la Direction générale de la protection civile, aussi bien que l'Organisation internationale de migration, pour fournir des lieux et de soutien à ces personnes le plus vite possible. On s'est engagé directement avec eux et si je comprends bien, la masse majorité maintenant se sont installés à des locaux qui ont été établis pour les recevoir et les assister avec le soutien de ces trois organismes que j'ai cités, par rapport à la Direction générale de la protection civile, aussi bien que l'Organisation internationale de migration, sont tous les deux des organismes que nous, les États-Unis, on soutient. Parce que dans les circonstances, c'est pas nous, et n'importe quel ambassadeur américain n'est pas dans une position directement de s'engager, de pouvoir donner des locaux ou d'assistance directe. On s'est engagé directement avec les autorités que nous soutenons, qui sont là pour cela. Voilà, mesdames et messieurs, toute bagaille claire pour nous. Mais espérez ça. Nous contentons des blancs qui parlent le créole. Elle n'est pas capable, elle est obligée de camper. Rosemila, petit frère, c'est lui-même qui intéressait nous. Kounia là, dans le moment où on a parlé en là. Rosemila, petit frère, mesdames et messieurs, dans le mois qui s'est passé en là, qui c'est le mois de juillet, et mais gagné juge Jean-Wilner Morin qui voulait une invitation à Bali pour être capable de venir répondre à une question sur la corruption qui gagne en la caisse assistance sociale, puisque il a découvert des liens ensemble avec Edwin Toton, ancien directrice générale Kessila. Mesdames et messieurs, les envoyés demandent by Rosemila, petit frère. Rosemila dit le malade, li pral faire opération. Pendant Rosemila dit le pral faire opération, avocat écrit correctement by juge Jean-Wilner Morin pour dire mais ça qui passait. Juge Jean dit pas de problème, n'a prétend après opération. Après opération, Rosemila déclaré yo mandé 6 semaines de repos. 6 semaines de repos. Pas de danger, pire. Et mes rumeurs, yon ta fait quoi? Rosemila, petit frère, qui te pays d'Haïti depuis 25 juillet, qui sont passé en là, côté li aller, dans le pays États-Unis pour continuer à prendre repos. Question qu'a posé, est-ce que son bateau qui vient prendre Rosemila en cahier qui mène le Port-au-Prince? Est-ce que c'est avion qui t'a cherché en cahier puisque son opération ou son fait docteur mando repos ou pas qu'a fait gros effort? Comment Rosemila, petit frère, fait atterri États-Unis? Mais mesdames et messieurs, dans fouye zone Kalalou, Rosemila petit frère, li bel et bien en Haïti et ses diversions qu'a fait. Puisque visa Rosemila petit frère expiré et États-Unis pas décidé renouveler mandat Rosemila petit frère ensemble avec visa. Mandat visa Rosemila petit frère coupé dans ambassade américaine puisque t'a gè divers information qui t'avait fait quoi madame nan li même la marché main dans la main ensemble avec groupe gang la financer groupe armé madame nan ta nan effet qui pas bon en de pays ya donc les États-Unis obligé prudent pour Rosemila petit frère pas répondre question juge garde tout ça la fait et avocat mesdames et messieurs a couvri Rosemila petit frère. Et si juge Jean-Wilner Morin joue une possibilité, hein, la capable, rele docteur qui te fait opération, Rosemila petit frère, hein, pour venir bal détail sur la situation santé, madame. Et là, quoi elle vient causer? Sous pas gagné pour être à corruption. Sous pas gagné pour être ensemble avec gang. Sous pas gagné pour être à détournement de fond. Pour qui ça ou obligé peur à répondre question au juge ou ap juste paraître devant juge là juge j'aime pas qu'on ait rien soit dire ou virer do aller ou du moins juge là mais ça me connaît selon détail ak information qu'on bail juge j'ai pral prendre une décision mais dans tête Rosemila petit frère immédiatement que mettait pied devant parquet y a tout mettre en bas code et pas gagné maman pas gagné papa ou pral relé. Parce que, Kembo, j'ai clair la corruption dans le pays d'Haïti après ça pour comprendre. Ou bien, vin sauver comme si rien n'était. Pas de bagay comme ça, nous, quand on passe comme un kijon qui bon. Eh? La grande Rosemila, petit frère.
celle que Sauvager a donné du pouvoir, c'est lui qui te dit. C'est type de vol qui fait le pouvoir actuellement là en dans pays d'Haïti. Est-ce que nous avons contredit madame non? Est-ce que nous avons dit madame non? Mais qui j'en pour expliquer comment il fait qu'il le pouvoir jusqu'à présent? Comment fait le chèque cap sorti? Comment Rosemi la petit frère fait à pas embaucher moun? Comment Rosemi la petit frère fait à prendre décision sous nos pays d'Haïti? Non, nous pas qu'à faire bagaille comme ça. Et mais mesdames et messieurs, juge Wilna Morin, mettez en pile prudence parce que Rosemi la petit frère poko capable de quitter pays d'Haïti. Rumeur qui gagne ouais ensemble avec prétendu assassinat Liliane Pierre-Paul et non crise cardiaque qui touye elle continue à grossir tout partout en dans pays d'Haïti. Rumeur yo a grossi. Mais selon information mesdames et messieurs, c'est empoisonné. Yo t'a empoisonné Liliane Pierre-Paul. Ensemble, entendez déclaration une cousine yo. Nous-mêmes, nous gagnons pour notre Port-au-Prince peut-être jeudi matin ou bien vendredi pour nous aller pour te coller avec l'autre frère, cousin, pour nous connaître ça, nous fait pour nous connaître qui les funérailles a décidé. Mais Liliane, nous t'a dit en pile, on a parlé, mais peut-être qu'il y a un bagage qui était confidentiel au niveau de familial, nous pas qu'à répéter sur radio. Vous comprenez? Parce que les films sortis pour aller travailler, de là étant le tableau Marvel, c'était l'album un peu de l'eau. C'est de là étant, puis tout repassé tout en dans là. Mais c'est après, nous pas qu'à expliquer le phénomène. Tantôt on dit c'est cardiaque, il n'a pas fait que. Il n'a pas gagné cardiaque. Même la famille a gagné cardiaque, la grand-parent, mais nous-mêmes, nous pas gagné cardiaque. Okay. Liliane son monde qui vraiment. Liliane pas gagné problème. Tout problème, Liliane son jouet lié pour lui. C'est lui pas jamais comment attrister, lui pas jamais comme si, toujours en gaieté. Il pas gagné problème que vrai, il pas gagné problème cardiaque. Parce que Liliane pas toute sa radio abdiant, le ballon fort, mon style. Mais Liliane pas gagné le barrage. Oh! Ok? Bon, bah, on est encore. Non, vraiment, dans l'âge de Liliane, de quitter, non, il y a un bagage que je ne peux pas expliquer de Liliane parce que c'est le plus grand passé. En termes de moments, de circonstances, de saleté rencontrées dans la ville. Vous comprenez? Elle nous connaît, il est vrai, mais il y a un âge mineur. Je n'ai pas vraiment une capacité morale pour me comprendre quelque bagage qui s'est passé dans la famille. Mais lui-même, pour la famille, il est le premier et le dernier. Parce que quelque circonstance, il est accompagné, nous. Même là, l'autre du côté de l'étranger, mais lui-même, toujours joue rôle grand-parent. Et c'est pas c'est pour cousin, cousine, nous y est. Et comme c'est ma tante, lui, nous reste tellement nous respecter, c'est ma tante, nous elle. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes une déclaration. Yon l'autre cousin, Liliane Pierre-Paul. Yon une partie qui est intéressante dans sa radio, c'est que le fait comprendre, sa radio Abdia, yon monte yon forme. Ça qui veut dire, il vient corroborer ensemble avec déclaration Wilson Pierre-Paul qui déclarait que belle-fille Liliane Pierre-Paul qui c'est Stéphanie Pierre-Paul t'a arrivé empoisonné et petite ça marié ensemble avec une petite Liliane Pierre-Paul vraiment chérie parce que c'est petite misère, c'est petite tribulation. Nous avons besoin de trop de détails sous écran mais go paquet pour nous capter, nous cap comprendre exactement qui ça nous veut dire. Qui donc selon famille Liliane Pierre-Paul, li pata mouri de yon crise cardiaque tout bon vrai, mais au contraire, c'est assassiné. Liliane Pierre-Paul t'a assassiné. Kose yon pil lui nan pays d'Haïti. Parole yon pil lui nan pays d'Haïti. De koze, mais pas getan. Yon informateur, commissaire Jean-Ernest Muscadet, mesdames et messieurs, nan gros troublay, nan moment nan parlé en la, kote li ki ta perdu madame li en babal bandi, puisque ta informé commissaire Muscadet. Entendez, qui sa monsieur li même li genye complète. Ou ta victime de citoyen sa? Dis non, de victime nan ki bo, est-ce que c'est la carotte entrée ou bien l'autre bagay ou fo? Mwen, font opération avec Idmoul en Kwadebouke, Sebeki, le 11 avril. Oh. Dans okay. la soirée pendant dans les 9h10. Les m'a rentré la caille moi opération fin faite, m'a rentré la caille moi dans les 11h. Gon voisin qui tande les ouvre un petit barrière dans la caille moi. Li rele nèg yo, di nèg yo c'est moi qui alder la police vinn entrer dedans. Malheureusement dans demain matin pendant moi dans la cour en dans la m'a bien pour mal sorti moi ouais type ça même spécialement avec des autres nèg d'elle paraît il y a le parler avec voisinage là
yo fin ba la voisinage là yo volé clôture la caille moi rentrer dans la cour yo une madame moi dans la cour yo ba madame nan 10 balles une nan tête une nan poit moi gen toute photo yo là madame moi pendant la mog pendant la lina sekay côté nous pral faire funérailles là moi gen toute ba yo là moi gen toute photo nèg sa yo k'ap fait mauvais acte en dans nan canard. Oh. Et moi comme si m'ta di nèg sa yo c'est eux même qui a placé les temps dedans. Tout ça qui est dedans c'est eux qui mettent. Pas gen moun qui gen droit avec rien dedans et nèg sa yo connaît sous carité dedans avec sous pas carité. Si vous parlez mes formes de tout. Soit vous prenez retour ou bien vous courir dehors. Juste pour caler fait bagaille mou gen dedans ou gen dans caillou dedans pour même pour y aller vendre. Pour y aller faire comme type ça. Côté là, monsieur gagne 3 cailles là pour construire. Gon caille dans petit mille fait couler dalle dans deux petits postes quoi là. Il fait couler dalle. C'est mezi, c'est magasin matériaux de construction qui est dans ces marchés prend bay ça pour le faire travail pas. Juste pour le cas après les zones là bon pour le cas mettre à l'aise. Et gens de type ça et miscadé retirer. Type ça miscadé prend. Mais c'est t'a vivre courail dans bloc 6. Monsieur a construit 3 cailles actuellement là. Travail monsieur était fait dans groupe là. C'est démolir machine moun depuis ces policiers qui étaient en l'air moun qui travaille dans l'état. Li avec groupe là couri derrière et puis tout ça qui était au prend yo. À tel point et monsieur plusieurs fois la police la guide monsieur la guide dans l'autre province. Bon, pour raison pour l'autre, monsieur t'a quitté en d'accord, il t'a parlé à Jérémy. Nous t'ai gain information, moi alerté commissaire. Moi fait checker monsieur sur route là. Type ça son type qui très dangereux. Monsieur possède plusieurs armes manche longue la caille. Et spécialement moi même moi victime de type ça. Monsieur Tevin connaît moi très bien qui m'a frappé avec la police. Tes opérations que t'es faites le 11 avril en l'air, les monsieur vinn connaît, monsieur entré la caille dans le 12 dans les 8h du matin monsieur vinn la caille moi vinn chercher moi avec groupe li. Qui t'ai gain journal di Maria et gain sou gain monsieur son connaissant. Ou quatre petits nèg. Ça veut dire pas changer tout non nèg yo. Mais groupe ça qu'est-ce qu'a dirigé c'est journal avec Di Maria. Base yo c'est en dans quoi dans deux marchés passés. Base là. Pour une raison pour l'autre la police informée bon nèg yo coupé route là autant de piège pour la police. La police pas ca rentrer dans comme ça sans des matériel. Son type qui vraiment vraiment dangereux boule plaisir caille policier dans boule plaisir caille l'autre citoyen qu'il connaît qui cabaille la police en information sur monsieur et pas un nèg pour dire que qui pas de recherche la police sur lui. Bon chance pour monsieur la police dans le pas prendre c'est Miaguane et lui t'a prendre la pays et puis nous aller te CGA li prendre monsieur gain plusieurs machines moun moi-même personnellement me connais li démoli yo gain moté machine ça la vendre dans nord bagay yo en pile mesdames et messieurs mais ça qui a passé actuellement dans pays d'Haïti en tout cas Mackenzie Innocent, la police nationale d'Haïti, qui mette en bas code 26 juillet 2023 pour participation dans le groupe gang Tibois, côté la dirige Bisoton 55, selon la police nationale, comme grand chef. Entre des déclarations, Mackenzie Innocent, qui semblerait-il, se trouve être innocent, selon ça, lui-même, il arrivait raconté. Bisoton, grand chef gang qui est le baby. Mais. Depuis 2010, je ne sais pas avec Bisoton. Depuis 2010, je suis venu habiter Bisoton. Nous avons mis le trafic moto ensemble. Le trafic moto, c'est qu'il est monté descendre. Marie est là.
On a bon par contre c'est parce que on a monsieur venu 2019 on quoi. Là le vin qui était café. Là monsieur prend stance même pas stance mais tout. Mais c'est pas busy pendant la même zone avec pas bien dialogue. Le chef de gang qui est qui le bébé. On va la même. Oui, et depuis 2019 on a trafic moto. OK. Là. Et c'est ça la police bleue au Bocho. Attends, tout, son chef de gang, ça? Bon, là, ça qui cause, il y a chef de gang, il y a dit deuxième chef de gang. Bon, même pour y aller, je suis en bas, même pour y aller, je connais. Bah, quand même, je vais avoir mal. Si je suis en bas, je vais aller libérer. Je vais converti. Oui, bon Dieu, réparer toute bagaille, frère. Bon Dieu, réparer toute bagaille. Là, tout rentre l'église, les convertis. Mesdames et messieurs, c'était Mackenzie Innocent. Il mettait bout là dans le week pour aujourd'hui. Rendez-vous cassé demain, si Dieu veut. Oh, pardon. Rendez-vous cassé. Dans la journée pour information d'ici là. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye. À la prochaine.